Salut à tous, c'est Chris. Alors, je suis de retour. Je pense que je m'expliquerai un jour sur ce délai entre deux vidéos. Ce n'est pas lié au délai de réception, quoique, des téléphones, mais quelque chose de plus personnel. Bref, passons. C'était juste une petite aparté. On attaque tout de suite avec ce que je voulais vous dire en prélude de la vidéo qui va suivre de test, de revue d'un petit smartphone de 5,2 pouces qui m'a énormément plu. C'est rare que je, comme diraient les jeunes, kiffe un téléphone à ce point, mais celui-ci ne fait que 5,2 pouces. Ça ne correspond pas vraiment à ce que j'attends d'un téléphone, moi personnellement, mais il déchire. Alors, ce que je voulais vous dire, tenez déjà à dire merci à tous ceux et toutes celles. C'est surtout tous ceux, parce que peu de femmes suivent malheureusement les chaînes high-tech. Je tenais à dire merci à tous ceux qui me laissent un message en m'encourageant, en me disant super, bravo. Alors je passe les superlatifs, hein. Peu importe les superlatifs d'ailleurs. J'aime quand la critique est positive, mais pas quand elle est négative. Critiquer pour critiquer, ça ne sert à rien, on n'avance pas. Donc, merci à tous ceux qui me laissent des commentaires. En me disant, j'ai hâte de voir les prochaines vidéos, j'ai hâte de voir les tests, j'aime ta façon de faire, elle est directe et franche. Je le répète et je tiens à le préciser pour les nouveaux abonnés qui se sont inscrits très récemment sur cette chaîne. Sachez que je ne gagne pas ma vie avec ce que je fais en vidéo. Je ne vis pas de mes vidéos. Je vis d'un travail. J'ai un boulot qui me prend du temps. Je travaille et vous allez peut-être comprendre pourquoi les vidéos sont parfois si longues à arriver. Je travaille que le matin. Je suis en mi-temps, donc j'ai un peu de temps l'après-midi lorsque l'organisme suit. L'organisme, moi. Lorsque, voilà, je suis apte, on va dire, à faire des vidéos. Même si celle-ci, si j'essaye d'en faire deux à la suite, ça me casse pas mal. Bref, donc je ne fais pas ça pour gagner ma vie, je ne fais pas de pub, je dis ce que je pense des téléphones. Si je le trouve pas mal, bah, il est pas mal. Après qu'on me dise que c'est de la merde pour dire que c'est de la merde, bon, je vois pas trop d'intérêt à dire ça. Qu'on m'explique pourquoi c'est de la merde, ou qu'on me dise que je suis acheté, non. Parce que je fais partie de ces gens qui, de temps en temps, reçoivent des téléphones, non pas des marques, mais d'une boutique, Gearbest. Je les en remercie d'ailleurs. Et moi, les téléphones, je les achète. Voilà. Je les achète comment? Alors, comment? Par la vente de certains matériels revendus à des personnes, tels que le HomeTom S8 qui vient d'être vendu, que je vais envoyer à une personne. Ensuite, je mets régulièrement un peu d'argent de côté pour pouvoir commander les téléphones qui me semblent intéressants à vous présenter. Partager donc ma passion de ce matériel, ma passion du high-tech. J'ai d'autres choses. J'avais un aspirateur robot. J'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas monté. Voilà, je n'ai pas eu le courage. Il faudrait que je le fasse. Et puis, finalement, voilà, je suis moi. Mon organisme me dit clairement, pense à toi d'abord, fais ce qui te plaît, et les autres, bah, ils font ce qu'ils veulent. Voilà ce que je voulais vous dire de façon personnelle sur ma façon de travailler, ma façon de voir les choses autour de ces vidéos high-tech. Ensuite, je tenais à vous préciser les prochains téléphones qui seront présentés sur cette chaîne, qui n'a pas le plus d'abonnés au monde, hein, c'est clair. Bon, je crois qu'on atteint les 3500, ce qui est plutôt agréable, hein. 3500, c'est quand même 3500 personnes, voilà. Alors, c'est moins que 10 000, c'est moins que 20 000, mais c'est moins que certains qui ont le million. Mais vous remarquerez que ceux qui ont le million d'abonnés, je tairai son nom, il est pas français, il est new-yorkais. J'aime bien son style de vidéo, mais très sincèrement, les vidéos où tout est bon, c'est pas ma tasse de thé. Alors, à croire que les gens attendent que l'on ne dise que du bien des téléphones, peut-être que ça les rassure parce qu'ils l'ont, et du coup, voilà, ils se sentent effectivement rassurés,
et de se dire, bah, ça fait plaisir en fait, c'est le meilleur des téléphones au monde, ouais, chouette, j'ai le meilleur, un iPhone 10, ouais. Bref, bon, iPhone 10 ou autre, un Samsung S8, toutes les grandes marques, parce que ces youtubeurs ne testent rarement et même jamais finalement les petites marques qui sortent parfois des très bons téléphones. Voilà, donc c'est ces youtubeurs-là qui font le maximum d'abonnés et c'est rarement ceux qui disent souvent la vérité. Alors, bon, à prendre avec des pincettes ce que je dis bien sûr, parce qu'il y a toujours le contraire de ce qu'on peut dire, mais globalement c'est un peu ça. Et je voulais juste vous présenter donc 5 modèles qui vont arriver incessamment sous peu. Certains ont été repoussés un petit peu. Donc, certains, dont 2, me seront envoyés par la boutique Gearbest. Les autres ont été commandés sur la boutique Gearbest, mais alors à un prix défiant toute concurrence. Vous ne pourrez pas obtenir ce téléphone au prix où je l'ai commandé. On va dire que, je vais dire le prix, 50 euros. 50 euros pour un mégot S8, c'est peu. Ensuite, je regarde mon écran parce que j'ai la liste ici, c'est plus facile pour moi. J'ai le Humidigi S2, pas le Pro, hein, parce que le Pro, il n'est pas encore présenté. Il sera présenté demain, nous sommes le 7, c'est demain le 8 qu'il sera présenté officiellement. Ensuite, le Vernimix 2, on me l'avait demandé, je l'ai demandé, et celui-là, il m'a été envoyé gratuitement, c'est sympa. Le Elephone S8, parce que j'ai vraiment hâte de le tester face à Meizu Alpha, voilà, je le dis, et le HomeTom S9 Plus, parce que le S8, même s'il a des grosses faiblesses, il reste pas moins un bon téléphone, hein, pour le prix où il est. Le HomeTom S9 Plus paraît être un cran au-dessus du S8, que ce soit finition et j'espère caméra, avec enfin un firmware qui fera en sorte que l'appareil photo fonctionne correctement. Voilà les 5, donc je le répète, Meizu S8, Humidigi S2, Vernimix 2, Elephone S8 et HomeTom S9 Plus. Voilà, alors maintenant on attaque avec lui. Et lui, vous le voyez ici, c'est le Nubia Z17 S Mini. Alors ce téléphone, c'est la version mini du Z17, donc une version 5,2 pouces, mais tenez-vous bien, il n'a rien à envier à son grand frère. Alors, je ne fais pas de comparaison pour ce modèle, il reste seul dans son coin, on va faire une revue complète comme j'ai l'habitude de le faire, mais écoutez, on va attaquer donc tout de suite la revue de détail de ce Nubia Z17 S Mini. Alors, ce Nubia Z17 S Mini que voici. Il est équipé du processeur Snapdragon 652 qui est un 8 cœurs à 1,8 GHz. Alors on pourrait le comparer au 6750, sauf que le 6750 est à 1,5 GHz. En fait, il se situe entre un Helio P25 et un 6750, ce processeur Snapdragon. Il est donc équipé, je le disais, d'un écran d'une diagonale de 5,2 pouces. Il est en Full HD, vous allez le voir un peu plus tard, mais les couleurs sont juste magnifiques. Donc, son processeur graphique, c'est l'Adreno 510. Il est équipé de la surcouche Nubia, la UI4. La UI4 est basée sur Android Marshmallow. Bon, ensuite, sa caméra arrière est une double 13 mégapixels avec un lecteur d'empreintes à l'arrière et en façade. En haut, voilà, ici en haut, vous avez un capteur de 16 mégapixels. Donc, côté caméra, ça semble du très très bon. Alors, cette version du Nubia Z17 est une version globale. Il est multilingue et multifréquence. Donc, il n'y a aucun souci pour la France, puisque les bandes 1, 3, 7, 8, 20, plus la 5, sont intégré dans ce téléphone. Vous avez en plus les 38, 39, 40 et 41. Voilà pour les bandes de fréquence intégrées sur ce téléphone. Alors ensuite, il est annoncé avec une batterie de près de 3000 mAh, 2950 plus exactement. Elle est non amovible, malheureusement.
il a 2 nano-SIM. Que dire de plus? L'environnement Google est entièrement configuré et installé sur ce téléphone. Il n'y a vraiment aucun souci, ça fait partie des téléphones vraiment prévus pour l'international et il est bien dommage qu'on ne le trouve pas encore en France. Son poids annoncé, environ 155 grammes, ça reste un téléphone compact et léger. Alors, quand même à savoir, c'est que la caméra arrière est protégée par une glace saphir, donc normalement inrayable. Il a une fonction anti-tremblement de façon électronique, hein, donc rien de plus. Et son autofocus est annoncé à 0,1 seconde, ce que je confirmerai plus tard. Alors le double capteur, à savoir que ce n'est pas un capteur pour gérer la profondeur ou un zoom, c'est un capteur monochrome plus un RGB, ce qui vous permet d'avoir plus de détails sur la photo. Ensuite, bien entendu, vous avez la caméra avant qui est équipée, elle, du mode beauté. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, très personnellement, mais je vous présenterai rapidement le mode photo, l'application photo sur ce Nubia, et vous verrez que ZTE, qui est le fabricant de cette marque, hein, qui est le concepteur de la marque Nubia, qui est le propriétaire même, a réalisé quelque chose de très très fort, parce que j'ai rarement vu autant d'applications autour de la photo intégrée sur un téléphone. Alors ce téléphone, il a 4Go de RAM, 64Go de ROM. Je le tenais à le préciser, une version supérieure contient 6Go de RAM et 128Go de ROM. Ce modèle est annoncé autour des 230-240 euros suivant les sites internet, sachant que son frère équipé, lui, de 6Go de RAM et 128Go de ROM est autour des 270-280 euros. Donc ça reste un téléphone largement abordable et aussi abordable que du Xiaomi, que d'autres marques qui se veulent premium. Et il est bien dommage que la marque Nubia ne soit pas plus souvent présentée. Donc voilà pour le tour du propriétaire rapidement. Je vous propose maintenant de faire le tour du châssis en image, bien entendu. Alors ce Nubia Z17 Mini, voilà comment est sa finition. Donc du doré tout autour. Alors certes, c'est peut-être un peu voyant, mais finalement quand vous le tenez en main, regardez bien, c'est pas plus voyant qu'autre chose lorsque c'est de l'aluminium brossé ou ce genre de choses. Vous avez bien un jack 3.5 sur le dessus avec le micro de compensation ici. Je le rappelle à l'arrière, donc la marque Nubia très stylisée, le lecteur d'empreintes, le double capteur, le flash LED, une finition métal complète avec sur le dessous un USB type C, d'un côté le micro, de l'autre le haut-parleur. Sur le côté droit de l'appareil, vous avez donc le bouton Power On Off et le bouton Volume Moins Plus. Et de l'autre côté, bien entendu, le tiroir. Alors, la façade, juste magnifique, et toujours avec cette marque de fabrique de Nubia, si vous ne la connaissiez pas, c'est ce bouton Home, un bouton rouge, toujours le même, bouton qui est rappelé ici sur la boîte. La boîte qui contient le strict nécessaire, le strict minimum, et vous le voyez, vous avez bien un chargeur d'origine, hein, Europe. Alors il est assez dur à retirer, il faut l'attraper par les pins là. Un chargeur Nubia, hein, bien logoté Nubia bien entendu, avec un chargeur qui sort du 1,5 ampères. Et donc vous avez bien un chargeur prise Europe. Câble USB, USB type C. Une documentation complète et le petit outil pour extraire le tiroir à carte SIM. Voilà, c'est tout. Ce que je voulais vous montrer aussi tout de suite, c'est le tiroir. Comment est-il réalisé? On va prendre le petit outil de chez Nubia. Un outil un peu stylisé façon Meizu. Voilà, donc sauf que Meizu, il y a un petit dessin au milieu. Bon, bref, il est très 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 brillant ce petit outil. Hein. Il est de bonne qualité d'ailleurs, de meilleure qualité que d'autres marques. Voilà, donc le tiroir s'ouvre très facilement, il est entièrement en métal et la SIM 1 est indiquée, elle se trouve ici, la SIM 2
ici avec, sinon, la carte SD qui peut recevoir jusqu'à 256 gigas de mémoire. Et vous le voyez, il se referme tout aussi proprement et c'est vraiment à fleur. Franchement, il est d'une finition superbe ce téléphone. Moi, très franchement, je ne connaissais pas. J'en ai entendu parler, comme beaucoup, certains d'entre vous, très certainement. Et très honnêtement, j'ai été bluffé par ce téléphone. Testons le lecteur d'empreintes. Voilà. Je peux recommencer. Voilà. Un petit bruit de liquide. Et vous le voyez, donc ici, ça s'allume. C'est la marque de fabrique de Nubia. Je vais mettre déjà l'éclairage un peu plus fort. Oui, je sais, ça diminue la batterie rapidement. Voilà, mais c'est plus lisible pour vous. Alors, la ROM installée sur ce Nubia Z17, donc la Nubia UI 4, donc je le rappelle, basée sur de l'Android M, est très personnellement bien foutue, je trouve. Elle est fluide, même très fluide. Par défaut, voilà ce que vous avez sur la première page avec un dossier Google dans lequel vous avez l'ensemble, en tout cas un ensemble d'applications Google. Donc ils suivent les recommandations Google sans problème. Ensuite, le seul souci que moi je n'apprécie que moyennement, c'est cette façon de positionner l'ensemble des applications, des icônes à la suite et à vous de créer les dossiers. Les dossiers, je les ai créés, ils sont ici. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder le résultat en Antutu. Nous avons 83 385 points. 83 385 points, ça correspond très clairement à un score proche du Helio P25 qui lui tourne à 2,5 GHz. Que ce Snapdragon 652 carbure et est boosté au testostérone pour un simple 8 heures. On va continuer avec les infos, on va quand même les regarder. Voilà pour le Nubia, c'est bien un modèle Nubia Z17 mini avec son numéro de code interne, on s'en fiche un peu. Nous sommes en 6.01 avec du Snapdragon 652 et de l'Adreno 510. Nous sommes bien en Full HD. Caméra arrière 13 mégapixels. Stockage, nous avons 4 Go de RAM. Sur les 64 Go de ROM installés, il nous en reste 52 par défaut. Après mes applications installées, il y en a encore 47. Donc, on a de quoi voir venir. Le CPU, toujours la même chose. Le Snapdragon 652, on est en 64 bits 8 heures. Bon, fréquence mini, on est à 400 et maxi, on est à 1800. 1,8 Go comme annoncé par Qualcomm. Alors, en termes d'affichage, on a bien l'Adreno 510 de chez Qualcomm, Full HD. Et on a une densité grâce aux 5,2 pouces de 480 dpi. Caméra 13 à l'arrière. Presque 16 à l'avant, pas de problème. La batterie, on est à un niveau de 75%. L'OS, on est en 6.01. Petite chose sympathique, c'est que ce Z17 mini, pour son prix de 230€, supporte le NFC. Certains, au même prix, ne le supportent pas. Ce qui est une très bonne chose. Vous l'admettrez. Et vous le voyez vraiment en main, cette ligne dorée, lorsque vous le tenez en main avec la lumière. Ça pète, hein, quand même, ça en jette. Alors, l'accéléromètre, c'est du Bosch. On ne mesure pas la température ambiante. On a les vecteurs de rotation de jeu, les rotations géomagnétiques. On a le capteur de gravité, un gyroscope Bosch encore. Gyroscope non étalonné. Ensuite, l'accélération linéaire. Les champs magnétiques, magnétiques non étalonnés. Bref. Vous l'admettrez, il a tout ce qu'on attend d'un téléphone haut de gamme. Et moi, personnellement, je le dis sans hésitation, c'est un téléphone haut de gamme. Sans problème. Il est dans le haut du panier. Et faites bien attention au prix parce qu'il vaut moins cher que d'autres marques dont certains parlent beaucoup. Et vous retrouvez certaines fois sur certains blogs des pages et des pages de remises et de coupons et de... Voilà, sur cette marque, dont je parlerai peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo. Bref, on parle peu de cette marque, mais là, franchement, ça vaut le coup. On va regarder tout de suite les copies d'écran avec les valeurs du multi-touch, du test d'écran,
et ainsi que Epic Citadel. On commence tout de suite par le multitouch. C'est un 10 points. Hein, je le disais, c'est quand même un téléphone qui vise le haut. Alors, j'ai éteint quelques éclairages hein, qui permettent quand même d'avoir une luminosité quand même plutôt agréable à l'écran. Mais malgré tout, la caméra dénature quand même ce rouge qui est un rouge très vif. Alors, pas trop pétant, mais un rouge vraiment vif. Et là, il paraît un peu pâle. À l'écran, regardons tout de suite la copie d'écran. Vous voyez que normalement, chez vous, la copie d'écran est quand même plus agréable à regarder que ici sur l'écran du téléphone. Les verts, alors les verts, c'est pareil, hein, ils sont bien vifs et le vert est mieux rendu ici. Le voici ici. Voilà. Le bleu, un bleu plus profond sur la réalité, sur l'écran hein, du téléphone, un peu plus pâle ici à l'écran, le voici ici en copie d'écran. Donc vous voyez qu'il y a quand même une différence, c'est plus agréable en copie d'écran, ce qui normalement reflète à peu près plus la réalité. Les niveaux de gris, voilà, là on est parfait. Vous voyez que le blanc reste pas mal blanc, hein. Il va vraiment vers le blanc, il reste pas gris. Et les noirs ici, le dernier est bien noir, juste avant, on commence à être gris. Un parfait rendu des niveaux de gris. Et regardons la colorimétrie, justement grâce au dégradé de couleur. Tout est parfaitement rendu. Je pense que vous le voyez par vous-même. Jusqu'au dégradé, jusqu'au départ, tout est bon. Une colorimétrie juste parfaite sur ce Nubia Z17 mini. Et donc ce n'est pas parce qu'il est mini qu'il est largement en dessous de son grand frère. Le résultat des Epic Citadel, regardez bien, nous sommes à près de 60 frames par seconde en Full HD. Merci à l'écran de 5,2 pouces, vous l'aurez compris. Alors ensuite, vous avez les tests, les résultats des tests habituels de Geekbench V4 ainsi que du GPS. Regardons-les. Ensuite, le résultat de Geekbench version 4. Sans surprise, je vais dire, j'en soupire un peu parce que c'est sans surprise. Les Snapdragon, maintenant vous avez l'habitude, on n'est pas sur du haut de gamme hein, de processeur, on est sur du moyenne gamme et vous voyez quand même que les scores en single core mais dépasse largement les processeurs MediaTek. Le multicore est à 4548, là aussi un très bon score. Une aparté juste rapide, je ne sais pas si vous suivez encore les informations sur le net concernant tous ces fabricants chinois de téléphones, Eulephone compte passer un cap au-dessus en intégrant dans son prochain smartphone un écran AMOLED courbé comme le Galaxy S8 et surtout le premier processeur pour la marque Eulephone qui sera un Snapdragon 660. Donc à suivre, affaire à suivre très 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 sérieusement. Et enfin le GPU à 4407, c'est sans surprise là aussi, vous l'aurez compris, c'est du très très bon. On va regarder le GPS. Tout de suite, le GPS. Alors, le GPS. Le GPS, j'étais un petit peu déçu parce que finalement, le fixe, il n'est apparu pour le premier fixe, hein, bien entendu, qu'à 8 secondes. Ce que j'ai trouvé quand même long. Très sincèrement, 8 secondes d'attente, c'est long. Je le confirme. Voilà, 8 secondes. Deuxième lancement, 2 secondes. Toujours malheureusement des satellites visibles, ok, mais fixés 12 seulement sur 20. Ce que je trouve finalement assez peu. Bon, c'est pas bien grave. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette présentation technique du Z17 Mini. Que pensez-vous de ce Nubia Z17 Mini après cette présentation des tests techniques, écran, CPU, bref, j'en passe. Je me demande bien ce que vous en pensez, parce que moi, franchement, j'en pense du très très bien. Il est beau, bien fini, il fonctionne à merveille, il est rapide. Qu'est-ce qu'on attend d'un smartphone aujourd'hui, à part tout ce que je viens de dire, hein ? Un bel écran, rapide, une batterie qui tient très bien, et je confirme qu'elle tient très bien. Donc d'ailleurs, vous remarquerez qu'après cette première partie, la batterie était à 75%. Au départ, 75%, regardez la copie d'écran, sommes à 71%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons perdu 4% sur la durée de présentation de tous les tests, et puis manipulation, délocage, et sachez, je le rappelle, que nous avons la luminosité à fond. Donc ce qui est finalement peu.
4%, c'est pas beaucoup. On continue avec, vous le savez maintenant, les photos et la vidéo. Alors, photos et vidéos de ce téléphone, ce que je vais faire en tout premier, avant de vous lancer, on va dire, les photos à la file et vidéos, je vais vous montrer l'application photo. Donc, on rentre classiquement dans l'appareil photo. Voilà, j'ai mis un petit personnage. Vous le voyez, mais la caméra est au-dessus pour faire les plans du dessus, bien entendu. Alors, vous avez différentes options. Le mode pro, assez classique, finalement. Un mode pro sur lequel vous jouez sur la balance des blancs, sur l'ISO au moment de la prise de la photo, sur la mise au point, est-ce qu'elle est centrée ou pas. Bon, ce genre de choses qui font que, finalement, c'est un mode pro comme on le voit sur d'autres téléphones plus bas de gamme. Donc une photo classique, tout automatique, avec le flash automatique ou pas, le mode HDR auto ou pas, un retardateur, on intervertit la caméra selfie ou la caméra principale. Voilà, donc vous voyez qu'il est aussi, lui, d'une très très bonne qualité. La photo est très très lumineuse, un très bon capteur à l'avant. Pour ceux qui aiment faire des selfies, bien entendu. Vous avez des paramètres avec un mode gris qui vous permet de bien cadrer vos objets, une détection des visages, l'enregistrement de la position de la photo, le son de l'obturateur, bien entendu, une inclinaison semi-automatique, en fait, vous forcez une inclinaison, une capture tactile où vous appuyez sur l'écran, bien entendu, et le ratio de l'image qui est par défaut à 16:9. Si vous appuyez ici plus de réglages, vous avez différentes options supplémentaires. La qualité de la vidéo avant, la qualité de la vidéo bien entendu à l'arrière. On est par défaut en 1080, vous pouvez passer en 1080, 60 frames par seconde ou en 4K. Et la qualité de la vidéo avant, 1080 ou 720, voilà. Donc à noter, 4K et du 1080, 60 frames par seconde. Vous pouvez avoir un filigrane Nubia affiché sur la photo. Bon, je vois pas trop pourquoi. Une capture d'écran, donc où vous voulez, voilà, une capture d'écran sans utiliser la capture traditionnelle Android. Réduction intelligente du bruit sur la photo. Le mode beauté pour les appels vidéo, si vous voulez paraître plus beau avec votre maîtresse. Le zoom dynamique en pro et photo adapté aux meilleures dimensions lors du zoom. Économie d'énergie, bon bref, refocaliser après la capture. Si vous étiez par exemple sur quelque chose de lointain, automatiquement il vous remet en mode portrait. Et régler l'ouverture lorsque l'interrupteur s'allume en mode portrait. Voilà pour ces réglages précis. Mais vous avez d'autres choses. Alors, ces autres choses, vous avez ceci, la famille de l'appareil photo. Alors, quelque chose de sympa, pour ceux qui aiment faire des choses un peu travaillées, vous avez la double exposition. Je vais le tester tout de suite et je vais vous montrer ça. Alors, lui, je le retire. Je prends ça, la boîte en photo. Regardez bien, vous le voyez toujours, en fait, le boîtier. Et je mets la tête en plein milieu du Nubia. Et on va prendre la seconde photo. Qu'est-ce que ça donne? On va voir ça. Alors après, il demande en fait de choisir un type de filtre. Ici, on va se mettre en mode alpha. Voilà ce que ça donne. Vous le voyez, le haut de la boîte reste net. Et dans le bas est intégré le petit personnage dans le cercle. Voilà ce double exposition. Ça permet de faire des choses franchement sympas. Enfin, moi j'ai trouvé sympa. Maintenant, chacun est libre de faire un peu ce qu'il veut avec son smartphone, appareil photo, parce que là, nous sommes vraiment à la limite du smart photophone, parce que très honnêtement, il permet de faire des choses très, très évoluées. Alors ensuite, bien sûr, vous avez une peinture de lumière. Alors la peinture de lumière, c'est il faut utiliser un trépied, il vaut mieux. Et ça vous permet en fait de prendre les lumières de la ville ou principalement souvent des voitures qui circulent, et ça va vous faire en fait des peintures, comme une peinture, qu'avec des éclairages blancs et rouges, les éclairages d'un véhicule, tout simplement.
Ensuite, au niveau des applications photo, il y a un mode nommé FNO. J'ai beau eu chercher et tester, je ne vois aucune différence avec une autre photo prise en automatique. Et franchement, alors si vous savez, n'hésitez pas à le dire, j'en ai pas honte, parce que moi, je ne sais pas et je n'ai rien trouvé dessus, mais alors rien du tout. Alors, ensuite, l'obturation lente, ça, c'est nickel lorsque vous êtes face à une cascade et que vous voulez, par exemple, non pas des gouttes d'eau, mais un fil d'eau. Et ça, c'est juste parfait. Piste préférée, que je me souvienne, je ne sais plus trop d'ailleurs. Il y a des choses comme ça dont il n'y a aucune explication, donc c'est à vous. J'ai même cherché sur le site officiel de Nubia, puisque maintenant il y a une explication complète en français. Bon, voilà. Créateur de vidéos, bah, vous faites des petits montages vidéo. La trajectoire, c'est justement, on retourne en fait sur cette prise de photo avec une lumière qui se déplace. Hein. Donc la trajectoire d'une voiture, ça ne va pas faire de la peinture, ça ne va pas faire des dessins, c'est juste en fait suivre le mouvement en fait de la lumière et qui va vous donner la trajectoire exacte. La caméra clone, j'ai testé, j'ai pas trouvé ça personnellement très très concluant. Une prise photo avec un temporisateur, les mouvements ralentis qui fonctionnent très très bien, mode panorama bien entendu, le mode mono black and white qui est très beau puisque là on va utiliser que le capteur qui est en black and white. Et franchement, la photo est d'un autre niveau. Lorsque vous appliquez un filtre black and white, là, c'est plus du tout la même chose. Une position macro, une vraie position macro. Allez, on teste. Je vais vous montrer ça. Donc, vous avez la photo ici, une loupe en haut à droite. Et puis, vous vous déplacez vers ce que vous voulez prendre en photo. Alors, regardez bien. Je vais me mettre sur le pied du petit robot. Et voilà. Regardez bien. Le dessus devient flou et on a toute la netteté sur le pied en bas. Voilà, il a vraiment fait la loupe sur le pied. C'est rigolo, voilà. Ça fait des petites choses originales. La 3D, alors vous prenez une photo et vous vous déplacez et après, en fait, vous allez avoir une photo dans laquelle vous allez pouvoir vous déplacer grâce au gyroscope. Voilà, tout simplement, vous vous déplacerez dans la photo. Et vous verrez la photo se déplacer sur l'écran. Et bien entendu, le classique flou de zoom. On va tester ça tout de suite. Je vais faire ici la mise au point, là-bas, et maintenant la deuxième ici. Alors, regardons les résultats. Là, ici, ça s'appelle le mode diffusion. C'est-à-dire que j'ai fait la mise au point ici, là, et il accentue en fait l'image du point fixé ici en avant et vous voyez qu'il y a un effet de déplacement tout autour avec un effet de profondeur mais très 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 lointain. Voilà, et là la photo a été faite ici, la mise au point là et ici pareil, donc tout un effet de mouvement tout autour. Voilà comment fonctionne en fait cette caméra où vous avez un très 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 grand nombre d'options, ce qu'ils appellent famille de l'appareil photo. Je ne suis pas sûr que ce soit bien traduit. Et maintenant, je vous mets donc les photos et vidéos prises avec ce Nubia Z17 Mini.
Qu'est-ce que vous en pensez des photos, des vidéos? Excellent, non? Je pense que là, Nubia a montré une façon de faire qui est vraiment au top. Et très sincèrement, je le trouve largement au-dessus qu'un autre smartphone dont beaucoup de gens ont parlé, dont beaucoup de gens ont encensé. J'en parlerai un peu plus tard. Certes, c'est un excellent téléphone, très beau, très bien fini, mais la partie photo, je trouve, est largement en dessous en fait, de ce petit téléphone à 240 €, ce Nubia Z17 Mini. Il est vraiment au top. Maintenant, il nous reste le son. La vidéo, je passe, un écran Full HD, 5,2 pouces. Vous imaginez la qualité de la vidéo? Je pense que c'est pas très utile, très sincèrement. Ça serait faire de la durée pour pas grand-chose. Par contre, le son, ça c'est important, parce que le son, c'est bon ou c'est mauvais? Alors on y va pour le son. Les musiques pour créateurs, alors on va monter le son, on va attendre que la pub se finisse. Pour tester, il y a quand même l'électro, malheureusement, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour tester les haut-parleurs des téléphones. Là déjà sur ce titre, on se rend compte que des médiums bas, il y a. Les aigus et les médiums sont parfaitement rendus aussi. Très clair. Aucune saturation. Et ça vibre dans la main, hein. Il vibre vraiment. Donc un son bon. Je vais mettre j'aime, comme ça on la retrouvera. Non. Très bon son, peut-être un petit manque de volume, on va dire, mais peut-être que ça évite justement les vibrations et la saturation. En tous les cas, ce son sort très très bien du haut-parleur ici, et surtout c'est à noter que le son ne sort que par le haut-parleur et pas par l'USB type C qui est ici, donc ça veut dire qu'il y a bien un filtre, une fermeture autour en fait du haut-parleur, puisque le son ne sort que par le haut-parleur. Voilà. Voilà pour le son. J'en ai presque fini avec ce Nubia Z17 Mini. Je voulais quand même vous le mesurer, vous le peser, pour confirmer ce que disait Nubia par rapport à ce modèle. Alors, la pesée de la bête. La pesée. Ils annonçaient 155 grammes, nous sommes à 150. Voilà, j'aime des marques sincères qui sont même peut-être un peu dans le négatif. Là, on est vraiment dans le positif, 150 grammes au lieu de 155. Et je tiens juste à préciser qu'elle est parfaitement tarée, cette balance. Elle est à zéro. Maintenant, son épaisseur avec le supplice du pied à coulisse. Il y en a certains qui souffrent avec. Est-ce que le Nubia va souffrir? Il est annoncé pour 7,5 mm. Nous sommes à zéro. Nous sommes à 7,65. Et ben voilà, 7,5 mm, c'est ce que disait donc Nubia, ou annonçait Nubia. Nous sommes donc tout bon, zéro mensonge, zéro défaut. Moi, je dirais que ce Nubia Z17 Mini vaut largement le coup par rapport à une autre marque que je vais enfin citer, qui est la marque Xiaomi. Donc conclusion de ce Nubia Z17 Mini, c'est maintenant. Alors, les conclusions de ce Nubia Z17 Mini, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'abord, par rapport à la vidéo que je viens de réaliser? J'aimerais bien savoir votre avis, connaître votre avis. Parce que j'ai l'impression que souvent, les vidéos, c'est à sens unique.
Et on fait la vidéo pendant 10 minutes, un quart d'heure, et puis on fait une présentation 10 minutes, un quart d'heure. Voilà, bref. On l'a à peine testé, on fait un déballage, toc, toc, toc. Bon, voilà. Et puis on vous a présenté un truc comme un autre chose. Bon, bref. Moi, je les vis par passion, ces téléphones. Et celui-là m'a vraiment passionné. Passionné par son niveau de finition. Son niveau de finition est largement équivalent à certaines marques pseudo-américaines ou pseudo-coréennes. Vous l'aurez compris, je pense que vous voyez de qui je parle. Un très très beau niveau de finition. Un lecteur d'empreintes qui fonctionne parfaitement. Une prise de vue photo qui fonctionne nickel. On est à effectivement, comme il l'annonce, un autofocus à 0,1 seconde. Nous sommes à 0,1 seconde. Tellement c'est rapide, tellement c'est fluide, tout est bon. J'émets un petit bémol juste sur la vidéo. Vidéo que je n'ai pas trouvé particulièrement saccadée, mais que j'ai trouvé un peu lente au niveau de l'autofocus, justement. La mise au point des fois qui était hésitante dans certaines conditions. Alors effectivement, ce n'est pas les conditions les meilleures, c'est les conditions les pires. Mais malgré tout, lorsque vous êtes en mode stabilisé, c'est-à-dire avec un trépied par exemple dédié à un appareil smartphone, hein, ni plus ni moins, et que vous avez une télécommande à distance sans toucher l'appareil, là, c'est les photos sont juste parfaites. Le moindre petit tremblement, ça devient effectivement comme un DSLR, bah, ça devient vite tremblant, flou, on atteint vite des flous. Bon, donc il faut faire attention à ça. Mais hormis ces petits points de détail, ce petit point de détail, tout le reste est très bon. Personnellement, la ROM, je la trouve très bien foutue. Elle est rapide, fluide, pas de bug. Vous pouvez copier vos applications, les déplacer dans des dossiers, ça n'hésite pas, ça y va direct. Je trouve peu de choses à redire, en fait, finalement, à ce téléphone. Et s'il devait avoir une note sur 10, je lui mettrais un 9 à cause justement de ces petites hésitations de nuit. Mais c'est tout. Voilà, pas grand-chose d'autre finalement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour complet de ce Nubia Z17 Mini. J'espère que du coup, très sincèrement, il vous aura laissé une très bonne impression, ce Z17 Mini, qu'il vous aura plu. Et j'hésite à le vendre. Mais bon, si quelqu'un est intéressé, qu'il se fasse connaître, ce sera avec plaisir que je lui enverrai. Bien sûr, moyennant. Mais j'hésite encore. Je vais voir pendant le week-end qui arrive, suivant, si effectivement une personne était intéressée autour de moi. Donc je vais voir si la personne est toujours intéressée. Si elle ne l'est pas, il sera mis en vente. Vous n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail mise en description de la vidéo. Et surtout, n'hésitez pas, ça sera sympa, à me liker, à vous abonner surtout, parce que plus il y a d'abonnés. J'en ai encore fait les frais cette semaine, mais vous n'avez pas assez d'abonnés. 3 500, c'est pas assez. Bon, ok, pas de problème. Tant pis. Voilà. Donc c'est tout. Ça serait à 10 000 en fait, ça serait bien. 10 000 en fait, ça ouvre plus de portes. Bon, j'ai le temps, hein, même si la vie n'est pas si longue que ça. On verra de quoi sera fait demain. Sur ce, les amis, je vous dis encore merci de me suivre, de vous abonner, et je vous dis à la prochaine. Ciao et bye bye.